Là pour la suite de notre aventure Pokémon jusqu'à minuit. Il nous reste encore une bonne heure ensemble pour aller conquérir la Ligue Pokémon, pour aller défourailler la Ligue Pokémon, la Ligue des 4, le maître. Et on part directement avec ses badges. On va montrer tous les badges, on nous laisse passer et on va attaquer ce combat. Tac, c'est parti. On va aller sur affronter Damien, justement, qui n'est autre que moi-même. Dresseur de Pokémon de type ténèbres. C'est forcé, de toute façon, dès que vous avez un nouveau type dans un jeu, généralement vous avez soit une arène, soit un dresseur dans la ligue qui joue ce genre de Pokémon. Ce type de Pokémon. Allez, on va rencontrer Damien. Du coup, il va nous faire un petit speech comme quoi, voilà. Je suis fan des Pokémon des Ténèbres. Je suis Damien du Conseil des 4. Le mec se la raconte. Il prend une pause cool. J'espère que tu as du sang-froid, histoire de battre le maître dragon. Merci Ezo pour cette blague. Allez, on va livrer un combat trépidant, mais bien sûr. Et on va te défourailler. Allez, le premier. Damien, Conseil des 4. Vous voyez la musique un peu stressante là qui vous met un peu la pression. Graina, il sort en premier. Oh oui, dans Diancy. Bon. Attaque de type Diancy que j'ai récupéré lors d'un event X et Y. Du coup, je l'ai mis dans la Pokébank. Il a beau prendre une pause cool avec une mèche rose. En tout cas, cette musique de Ruby Saphir a toujours été ma préférée. Bah, bien sûr! Alors, un Tangalis Pokémon, plante et ténèbres. Voyons voir ce que ça donne. Tangalis. Bon, on devrait l'ouvrir en deux, le Tangalis. Là, je pense qu'on se dirige vers une victoire. Au moins jusqu'au... Je dirais jusqu'au Maître Dragon. Après, ça a peut-être été un peu plus dur. Ah oui, je viens de voir que je vais me mettre en PLS tout seul, puisque j'ai plus d'attaque Ebullilave. Après cette attaque là, je n'aurai plus d'attaque feu. Donc là, je me mets en auto PLS tout seul. Pas grave, on lui apprendra calcination au pire. Le one shot sur Tangalis. Ce qu'il faut faire après, c'est que, après, une fois avoir fait ça, vous allez avoir l'épisode Delta. L'épisode Delta, on le verra ultérieurement, bien entendu. Ou juste après, si on a eu le temps de finir. C'est surtout que cet épisode Delta, une fois fini, vous pouvez refaire la Ligue Pokémon, et à chaque fois, vous allez avoir une nouvelle petite cutscene. Je vais vous la montrer juste après, puisque une fois qu'on va avoir fini la Ligue Pokémon, on va se retrouver au début du jeu. Et en fait, le professeur va se refaire attaquer, comme initialement. Il va vous demander de le sauver par un autre Pokémon. Oh, ça va faire mal. Et du coup, vous allez avoir un nouveau Pokémon starter d'une autre génération. Est-ce que j'ai récupéré le Mega Metalos Shiny? Oui, je l'ai récupéré. Je ne l'ai pas encore transféré, par contre, il est encore dans ma Pokébank. Mais il était donné au début de cette aventure-là, en tant que tu avais un code où tu pouvais le télécharger X mois, je crois, deux ou trois mois, à la sortie du jeu. Et par contre, c'était overpété, puisque ça te donnait un Pokémon acier. Et franchement, le Pokémon acier dans cette aventure, c'était acier psy. Donc acier, Pokémon acier qui pouvait apprendre des attaques de type combat, des attaques de type acier, etc. Ça te permettait de rusher le jeu. Donc clairement, c'était méga pété. Allez, on remet Roudon dans l'aventure sur le Cacturne, ça devrait le faire. Ah non! J'ai oublié ce petit détail qu'on a plus d'attaque feu. Et bah c'est pas grave, Là, je crois que je me suis mis en PLS tout seul. Bon, on va essayer d'attaquer à coup de lame pangène quand même, voir ce que ça donne. Ça va, c'est pas très efficace, mais on n'a pas trop de mal à se faire.
Voilà une technique de Stoller, c'est-à-dire de Pokémon qui résiste, qui tient dans le temps, pour essayer d'absorber la vie. Ça absorbe un huitième de votre vie par tour. Donc normalement, si vous tenez 8 tours, enfin, s'il tient 8 tours avec son attaque, normalement je dois mourir. Sauf que là, il risque pas d'atteindre les 8 tours. Il est mort. L'âme pangéenne a une beaucoup plus grosse force que Séisme, ça fait beaucoup plus mal. Néanmoins, attention, puisque c'est capable quand même d'échouer, cette lame pangéenne. Jancy! Donc oui, j'essaye de faire les events de la grande chaîne de magasins que je vous citais la dernière fois pour essayer de récupérer le maximum de... Ça va faire mal. Pour essayer de récupérer le maximum de codes et de Pokémon. Ou sinon de me connecter. Là cet été, il y avait un Pokémon qui était offert si vous connectiez directement sur Internet. Me semble-t-il que c'était Shymin. Et il y a 2-3 mois, il y avait Mew. Il y a eu Darkrai aussi, mais ça c'était dans la grande enseigne. Et du coup, on a battu le premier maître Pokémon cette fois-ci. Aucun mort, tant mieux. Plutôt pas mal. On va prendre la guérison. Tac. Et on va continuer notre aventure. Alors, on a des Pokémon Spectre, du coup, sur l'autre versant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Et ben on va laisser Diancie. Pokémon Fée. Si vous pouvez récupérer un Pokémon Fée, par exemple, si vous capturez un Tarsal au début de l'aventure, prenez ce Tarsal, prenez le temps de l'évoluer en Gardevoir. Il pourra évoluer en Méga Gardevoir par la suite. Le meilleur, c'est Magikarp Chaigny avec Trempette. Bien sûr, mon petit Ezo. Mine de rien, il peut enlever sa paralysie, hein. C'est l'un des rares Pokémon qui puisse enlever sa paralysie tout seul, à part un aromathérapiste, c'est-à-dire un Pokémon plante et généralement fée qui puisse se soigner. Et on va retrouver, du coup, la deuxième dresseuse de cette Ligue des 4, qui n'est autre que Spectra, qui porte bien son nom puisqu'elle va nous envoyer des Pokémon de type Spectre. Même s'il est déjà un petit peu... Alors je sais pas si c'est un clin d'œil au futur jeu Pokémon, s'ils avaient déjà pensé à ça. Elle est un peu habillée en hawaïenne cette Spectra. Et du coup, peut-être que c'était un petit clin d'œil au futur jeu. Peut-être que voilà, c'était un petit peu des infos qu'on voulait nous donner. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Et du coup, on va enchaîner le prochain combat avec Spectra. Alors, Spectra est là. On va essayer de la mettre en PLS. Elle envoie Teraclope dès le début. Alors, protection lunaire pour faire un maximum de dégâts. Est-ce que... Non, aisé. Sur Rubis et Saphir, de base, elle avait déjà ses vêtements. Ok, ça roule. Pas de soucis. Alors après, je vais vous montrer, juste vers la fin du live, je vous montrerai Orage Diamantin, on va lancer une petite vidéo là, puisque c'est ce que j'étais en train de regarder sur Pokémon. Il y a eu une annonce à la Gamescom, il y a eu un nouveau Pokémon qui a été annoncé. On va voir un petit peu sa vidéo de présentation juste après. Orbe Diamantin, qui est l'attaque spéciale de notre Diancie. Et du coup, on va pouvoir faire proc Crackboom par la suite. On va essayer de regarder ça ensemble. Alors. Une capture de la fenêtre. Ok. Du coup, voilà. Crackboom arrive, met sa terre finale pour essayer d'enquiquiner le terrain. Et la malédiction. Alors, attention à la malédiction, puisque cette malédiction, qu'est-ce que ça fait exactement? Eh bien, tout simplement, la malédiction, c'est que ça emmène notre Pokémon au tapis. Enfin, son Pokémon au tapis. Ça nous fait gagner. Mais attention, parce que ça va nous enlever des points de vie, forcément. Et du coup, ça risque de nous mettre nous en PLS. Il faut faire attention. Hop. Tac.
Alors, on passe niveau 59, impeccable. Et voilà, la malédiction qui proc, qui va essayer de nous emmener au sol. Hop. Et tac. Alors, Ténéfix. Bah oui, je le prends le Ténéfix. Je le prends. On va lancer séisme. On va essayer de faire un maximum de dégâts. On est là pour ça, donc. Voilà, c'est le one shot. Merci Ténéfix. La PLS du Ténéfix. Encore une malédiction, hein. Il va nous faire des dégâts. Branette a été envoyé. On va changer justement pour éviter de prendre les dégâts de malédiction. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, Branette, bah, pouvoir lunaire pour essayer de la one shot hein, le plus possible. Ça lui a fait mal. Elle a pas aimé la petite Branette. Alors Branette encore une fois, bon on va la garder. On va la garder. On va encore utiliser pouvoir lunaire pour essayer de maximiser les dégâts sur Branette et essayer de la one-shotter. Ça c'est fait. Impeccable. Bon, est-ce qu'on va l'avoir? Noctu noir, bah pareil. Il doit avoir pas de surf, pas de points noirs, etc. Il augmente la pression, très bien. Moi je préfère la boire, sans vouloir faire de jeu de mots. Oh! Il résiste. Point éclair. Alors, point éclair, faudra m'expliquer pourquoi un point éclair sur un Pokémon roche. Ça fera pas grand-chose. Du coup, on va mettre Spectra en PLS. Alors, la méga gemme de Diancie, est-ce qu'on l'a après la ligue? Tu peux l'avoir n'importe quoi une fois que tu as récupéré ton Diancie, ou t'as... Oui, ta Diancie. Tu sors du centre Pokémon, tu le récupères, tu re-rentres dans le centre Pokémon, et là, tu as une cutscene de deux personnes qui veulent absolument que tu leur donnes ton Diancie. Et là, il y a un petit fils de riche qui arrive. Et qui dit, bah non, finalement, j'ai plus envie d'avoir Diancie, je veux un autre Pokémon. Donc, tiens, moi j'ai la méga gemme, je te la donne. Aussi simple que ça. Mais il faut avoir Diancie dans ton équipe pour l'avoir. Bon, voilà. Elle nous remercie, elle nous félicite. Oh merci, c'est trop génial. T'as réussi à poutrer tous mes Pokémon. J'adore. Impeccable. Du coup, on va mettre EMDLC, puisque prochain dresseur, on a dit Pokémon de type glace. On a une tête de fer. La tête à tout faire, on a des attaques combat qui n'est autre que l'âme sainte sur ce Pokémon. On va faire un max de dégâts. Allez, on continue. Passons aux choses sérieuses. Troisième dresseur de cette ligue des 4. Non. Non, non. Et tu vois, je viens tout juste de reprendre ma Diancie là, tout juste, donc bon. C'est pas ce qui va changer, puisque de toute façon, je veux utiliser Méga Patafion. Uniquement pour le dernier dresseur, enfin le matelot dragon, qui lui a un Drattaque et qui va faire très mal. Allez, Glacia du Conseil des 4. Ils sont allés chercher loin, les noms, vous le verrez. J'ai fait un chemin jusqu'à Wayne pour mieux apprendre à utiliser la glace. Mais oui! Rencontrer que deux des sœurs. Et du coup, elle va vouloir fighter elle aussi. Elle va vous demander de montrer sa puissance. Votre puissance. C'est-à-dire de les sortir et de les poser sur la table. Allez, troisième dresseur. Oniglali. Essayez de prononcer Oniglali rapidement. D'ailleurs, vous allez avoir du mal.
Alors, on va utiliser tête de fer, la tête à tout faire. Grêle qui va permettre de faire quelques dégâts. Après, sur un Pokémon acier, c'est pas ce qui va faire le plus de dégâts. Déclic tactique, je passe en forme offensive. Ça, c'est propre à notre cher ami EMDLC. Voilà, ça fait mal, ça one shot. Les dégâts de la grêle. Hein. Ça peut être intéressant d'utiliser par exemple ce genre de truc si vous êtes face à un Pokémon qui va être. Comment vous dire? Un Pokémon. Il y a le talent. Oh, je cherche mes mots. Là ça va faire mal par contre. Aïe! Ouf! Qui a un talent de type fermeté et en plus il évite l'attaque, le saucisson. Et bon, on va envoyer Crack Boom! Il va tout faire craquer, il va tout péter. Mémé a été vieille. Ah non? Pourquoi? Pourquoi cette utopie? Bon, ça a l'air de bien, plutôt bien se dérouler pour l'instant. On va faire venir Crack Boom justement. Pour éviter de prendre des dégâts, etc. On va changer le climat. Il réutilise Bas l'ombre. Bon. Il devrait quand même bien encaisser le Crack Boom. Voilà. On n'a plus des bulles là, mais on a séisme toujours. Je vais faire pas mal de dégâts à Momartic. Une grosse attaque bien vénère. Hein. Il y a un sacré. Vous pouvez pas échouer, et en plus vous faites très très mal. Peut-être à cause de la robe de Mara. Oui, c'est possible. Kaimorse. Est-ce qu'on se fait le Kaimorse ou pas? Non. On va faire proc rétro. Et nous mettre un petit pied voltigeux des familles. Et qui va péter les grosses dents de son Kaimorse en face là. Il va nous faire ça, Bouenné Bouenné, le petit rétro. J'espère qu'il va pas se rater. Allez, pied voltige. Et il se rate pas en plus. Bim! Yatsa! J'aimerais pas prendre un coup de pied de rétro hein, dans la vraie vie, hein. Ça fait mal. Très très mal. Niveau 59 pour notre cher ami rétro. Momartic revient. Momartic, forcément, un Pokémon Spectre Glace. Donc il va bien résister à tout ça. Et on va remettre notre cher ami Crack Boom. Tac, la terre finale qui reproc, qui augmente les dégâts de vos attaques feu, mais aussi ce qui vous permet d'apprendre une attaque plante et de la lancer automatiquement en un tour. Les autres que l'attaque lance-soleil. Croise les doigts. Le one shot! Il met en PLS. Passe niveau 62. Et il reste un Donny-Glalie. On va se le faire comme ça. La one again. On va mettre une petite lame pangéenne. Si on ne la rate pas. Abri. Il va se protéger du coup. Intelligent pour éviter de se faire one shot. Mais on va la relancer encore une fois, par contre. Et là, tu vas pas y louper. Ça va faire mal. Bing! Allez, au revoir Onigali. Au revoir Glacia. Et on va du coup passer au maître Pokémon des dragons. Diancie passe niveau 60. Mur lumière. Oui. L'intérêt du mur lumière, il n'y en a pas trop. Mais bon. Glacia, impeccable. Et bon, on va passer au quatrième, et après il reste le maître de la ligue Pokémon. Si c'est pas génial ça. Let's go! On va healer tout le monde, surtout MDLC, parce que là il en a besoin. En guérison, hein, ça guérit les statues, et en plus, c'est cher, mais ça guérit les statues, et ça remet full life. Donc c'est mieux qu'une hyper potion max. Une hyper potion max, une potion max, excusez-moi. Là, la grille va s'ouvrir. Une espèce de feu du dragon qui va venir là, qui active la porte, qui s'ouvre. Du coup, alors, on était passé sur EMDLC en premier, je crois. Ouais. Du coup, là, on va en profiter pour lancer. On va mettre Patafion. Histoire de le faire pex un petit peu.
On a récupéré la CT Laser Glass, je crois. Lors du dernier combat face à notre cher ami Marc, non? Ah non, il nous a donné la CS. Autant pour moi. C'est dommage, j'aurais dû faire un petit détour. Laser Glass m'aurait mis conforté pour pouvoir du coup faire un maximum de dégâts au Pokémon Dragon. C'est pas grave. On y va comme ça, Yolo Swag. Affronter cet amiral. Il n'est autre que Aragon, le maître des dragons. Ça change. Comme disait tout à l'heure Lila Fée, c'est rare d'avoir des maîtres dragons. Allez, let's go. Faire frisouiller tes moustaches. J'ai hâte de voir l'annonce hein, qu'ils nous ont faite sur la Gamescom. Je vous la diffuse juste après. J'ai vu un tout petit bout de vidéo. Je sais de quoi ça parle, je veux pas vous spoiler. On va essayer de voir ça un petit peu. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Allez, Maltaria va proc du côté de chez notre ami Aragon. Et nous, on va utiliser Patafion. 5 niveaux d'écart, bon, ça devrait aller. C'est pas vous, mais moi, j'ai toujours trouvé ce PP plus fort que Pierre. Bah oui, normal. Allez, Dracosouffle. Oh, le one-shot d'Altaria. Le one-shot et la PLS. Ah non, il lui reste un point de vie. Woot. Il doit lui rester, ouais, un point de vie. Pas plus. Il va utiliser une guérison. À tous les coups. Voilà, on a bien fait. Du coup, de relancer notre attaque Dracosouffle. On croise les doigts pour essayer. Oh, le one-shot. La PLS de l'Altaria, c'est génial. Crack boom, passe 60. Lance-soleil, justement, on en parlait tout à l'heure. Cette compétence de type plante. On va lui enlever repos. Et lance-soleil qui va pouvoir se lancer en un seul tour, du coup. Pas mal. Allez, Dratak va être envoyé. On va donc en profiter et envoyer Diancy. Diancy, pourquoi? Dratak est un Pokémon de type dragon vol. Diancy est le meilleur counter. Fait. Roche. Donc autant dire... Découper le petit Dratak. Bah oui, Pierre c'était le champion dragon sur les premières versions. Je ne m'abuse. On va mettre une protection. Pour se protéger. Je pensais qu'il allait attaquer après moi, mais non, il est plus rapide. Très bien, au moins ça va nous permettre d'avoir du sustain et de tenir plusieurs tours. Ah, son psy coup de boule. Oui, et c'est aussi le premier champion Roche. Effectivement. À la reine d'Argenta. Si je ne m'abuse. Oh, mais Diancy, oh. Tu veux attaquer ou bien ça se passe comment? Alors, soin. Guérison. Et tac. Mais c'est pas lui hein, que tu retrouves à la fin. Je te rassure. Pas le même personnage. Petit coup de boule, encore une fois. Là-dessus, on met un poison des familles. Et on stalle vraiment sale. Le pouvoir lunaire. Non, il continue à taper. On va pas utiliser les 15 psychos de boule. Oui, c'est celui du dessin animé, Lila. Oui, c'est ça, tout à fait. Allez, mange ton attaque fée. Et retourne dans ta tombe. Et ta Pokéball. Merci, bonsoir. Libégon, c'est pareil. On va lancer une petite attaque. Alors par contre, il est seul, il risque de... Ouais. Ça fait mal à Diancy, ça. Pokémon Roche, hein, Diancy, hein, je le rappelle. Donc attention à la PLS. Le one-shot, normalement. Oh oui! Allez, il lui reste un Pokémon ou deux Pokémon à tout casser. Il lui reste un deuxième Libégon, si je ne m'abuse, aussi. Hier, on ne savait jamais quand il dormait. Toujours les yeux fermés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un Hyperroi qui va proc... on va utiliser Golet du coup. Giga Sensu. Bâillement. Genre le mec va me faire dormir quoi. Le mec était fan d'ailleurs. Ce mec là, il était fan de l'infirmière Joël et. De la policière aussi.
Il était toujours amoureux d'elle. Et il avait soit les yeux fermés, soit les yeux en forme de cœur. Puisque. Voilà, c'était soit. Il était comme ça. La primo-résurgence de Groudon qui est lancée. Soit dès qu'il voyait l'infirmière Joël et la policière, il était amoureux, donc il avait les yeux en cœur. C'est les deux façons de voir Pierre dans l'animé. Laser glace est lancé. Ça devrait aller. Ah, coup critique quand même. Le petit coquin. Par contre, je vais te lancer lance-soleil en un tour. J'absorbe la lumière et ça se lance automatiquement à cause du talent. Vous voyez. Tac. Et là, l'hyperroi, il va prendre cher. Merci, bonsoir. Pas mal ce petit lance-soleil, du coup. Il me sauve la vie là-dessus. Alors, le prochain Libégon, Pokémon de type Sol-Dragon, Sol-Dragon. On va laisser Crackboom. Non. On va changer. Je vais mettre EMDLC. Normalement, tactiquement, la Libégon a dû lancer un séisme. EMDLC, c'est-à-dire ce Pokémon qui arrive, a le talent Lévitation, donc il va prendre aucun dégât de type sol. Voilà. Et en plus, il lance une attaque de type normal qui ne m'affecte pas du tout. On va lancer l'âme-sainte. Lance-flamme. Ah, oh, j'avais oublié son lance-flamme. Il va faire très mal. Bon, ça va à peu près. Déclic tactique, on va passer en forme d'attaque. L'âme sainte, elle devrait faire mal. On va relancer une lame sainte derrière. Grincement. Pour descendre. Diminue ma défense, c'est ça? Lame sainte encore une fois. Hop. Merci, au revoir Libégon. Retourne dans ta Pokéball et je pense qu'on a réussi à battre ce quatrième dresseur. On va donc rejoindre Pierre pour devenir le maître de la Ligue Pokémon. Juste après. Je crois qu'on a fini. On a fini. Aragon est battu. On s'en va direction Pierre. Pour finir l'histoire principale de ce jeu. Ouais, tu es un super dresseur. T'as un très très bon savoir des Pokémon. Et du coup, va défier le maître qui t'attend. On va avoir un petit speech de Pierre qui va me dire oh, tu pensais pas que c'était moi, hein, je t'ai bien eu. Mais non, on s'en doutait un petit peu puisqu'il avait dit sur la dernière discussion, quand on l'a vu à Algacia, qu'on allait se retrouver très bientôt en direction de la Ligue Pokémon.